Salut à tous, c'est Ju pour les Jeux du Cygne. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure avec les fourmis. Il nous reste une mission pour la zone inondée, donc on va la faire bien évidemment. On voit que l'activité est très forte en ce moment, tout le monde se prépare. Parce que oui, on peut déjà... Non, je pense que c'est raté. Hop, et ensuite... Tac. Bien évidemment. On va aller discuter avec la dernière fourmi isolée. Qui devrait nous donner si on a une mission de tactique. Donc on va encore faire un peu une bonne stratégie. Les escargots, où sont les escargots? Quelqu'un a vu les escargots? Toi, approche, expérimenté, bellocanienne, parfait. Brigade spéciale, prends une légion et ramène-moi au moins un escargot. Sans l'un d'eux, notre fuite est condamnée. Un escargot, pourquoi? Leur bave, bien évidemment, elle nous tient chaud lorsque la température chute. Pendant notre fuite, nous aurons besoin de marcher jour et nuit. Leur bave est notre seule chance de survivre. Ramène-en moins un. Où puis-je les trouver? Avec l'inondation, les routes de Taiyuken sont bloquées ou impraticables. Ça veut dire que les escargots sont plus simples à trouver et à tuer. Arrête de poser des questions et vas-y. Des risques? Les termites, pourquoi les escargots seraient-ils en retard? Les termites essaient de nous tuer. L'inondation a leur chance de nous éradiquer. Ok, on va aller chercher des escargots alors. Ok. Vas-y, toi tape là-dessus. Toi tape là-dessus aussi, non? Hop, allez, viens, on va passer ici. Toi, tu dois aller là-bas. Hein. On n'a pas de soins, pote. Allez, venez.
Allez, allez-y alors. Mince. Ah, elles sont en combat contre elles, très bien. Et si, je le sens mieux. Ok. Et foncer là-dessus. Attaquer celle-là, ouais. Ça va le faire. Franchement, je pense que c'est bon. Ici. Vas-y, attaque. Donner un petit boost de vitesse. Est-ce que c'est suffisant? Victoire. Yes. Voilà, on a sauvé un escargot. Alors, on a fini toutes les missions. Là, 1 sur 1, 3 sur 3. Donc, c'est full. Collection 1 sur 5, je sais pas. Je fais pas la collectionnite ici. Je découvre le jeu, donc je fais les missions full. Mais pas de collectionnites. Parlez. La championne de l'arène, Bello Kiyuni, est de retour. Merci pour tes accomplissements, nous avons désormais une chance de nous en sortir. Mon travail ici est terminé, reine. Tu as sauvé mes filles en trois.
Dis à notre mère que nous allons reconstruire Tayukan près des sables blancs, au sud. Votre Majesté, avez-vous besoin de quelques ouvrières restent pour aider ? Non, elles peuvent retourner à Belokan avec toi. Leur travail ici, comme le tien, est terminé. Très bien, nous partons à l'aube. Longue vie à la nouvelle Tayukan. Longue vie à la Fédération, 103. Mère, nos ouvrières et moi sommes de retour. Tayukan sera reconstruite dans les sables blancs. J'ai été tenu au courant. Tu as parfaitement accompli ta mission, ma chère enfant. Nous venons d'arriver. Comment ? Ma sœur, tu n'as pas à t'en préoccuper. À propos de l'inondation, j'ai entendu des sœurs dire que... Tu n'as pas à t'en préoccuper non plus. Ouh. Tu as fait preuve de détermination et d'initiative. J'ai une autre mission importante pour toi. Continue à porter mon aide suite à l'inondation et... Non. Tu as rempli ton rôle. Nous avons des soucis plus préoccupants. Les fourmis noires. Les fourmis noires ? N'ont-elles pas été exterminées par les fourmis naines ? Pas toutes. Quelques-unes de leurs reines ont survécu. L'une d'entre elles est en train d'assiéger Niziu Nikan. La cité qui a été ravagée par les naines et que nous leur avons reprise. C'est précisément celle-là, oui. Et cela ne doit pas se reproduire avec des fourmis noires. Prends le commandement de 5 légions guerrières pour briser ce siège. Niziu Nikan doit être libéré de cette menace. Je compte sur ta vivacité d'esprit pour trouver le meilleur moyen de le faire. J'en fais ma mission, mère. Lentement, mais toujours en avant. N'oublie pas, ma chère enfant. Trouve quelle est leur faiblesse et abuse-en. Mais donc on a une fourmi inconnue qui est probablement une méchante. Hein. Faut pas être un génie pour comprendre qu'elle est pas gentille, la petite dame là-bas. Alors. On a plein de logos. Interagir. Ok. Ok. What? Ok. C'est un fer à cheval, hein. Nous, on sait ce que c'est. Là-bas, je pense que j'ai vu quelque chose. 5 et la 6e. Ah bah ici. Demi-cercle de métal, inutile. Alors on a ça, ça. On n'a rien d'autre. Allons voir ici, interagir. Ah d'accord. Faut que je choisisse peut-être. Actuellement on a quoi ? Appel de renfort, je prends. Vitesse, rage, oui. Moucheron, espion. Oh, ça c'est cool.
Ah, je sais pas lequel prendre, il y en a trop. Moucheron espion, je peux enlever, je pense. Et j'hésite entre tunnel et bouclier. Je vais prendre tunnel. Très bien. Et ensuite, les armées. Commençons par les légions de départ. Ah, je... Ok, la en gros, la première légion qu'on a, ça me plaît. Ok, c'est une légion de départ. Soutien. Puceron ou alors escargot. Crée un... Hors combat, c'est légion couvre de mucus. Ok. Faible contre tout type de fourmis. Mais du coup, il sert à quoi? À rien. Et puceron renforce les troupes alliées à proximité. Ouais, ça, c'est un truc hors combat. Donc, ok. Et ici. Géotrude. Crée une horde rattachée au nid, réverrouille toutes les légions au nid, efficace contre tout type de fourmis, cette légion ne peut être construite qu'une fois. En gros c'est la même chose, c'est juste qu'on change le style, c'est exactement la même chose. Ah non, ça c'est du combat et ça c'est de l'artillerie. Non j'aime bien mais j'ai autre rude. Ok. Donc là, on peut modifier ce qu'on a, mais ouais, j'aime bien ce que j'ai ici. Arrête-toi, laisse-moi vérifier tes antennes. 103, Belokan, en mission spéciale pour votre reine. Ni Ziu ni Kian est interdite aux étrangères, même celles qui se disent nos alliés. Installe ton camp en dehors du périmètre et rends-toi utile, plutôt. Que peux-tu me dire sur le territoire? Malgré sa richesse notoire, il nous reste à peine de quoi vivre. 2 années de guerre, d'abord les fourmis naines et maintenant les fourmis noires. Observe par toi-même le grand nombre de nos ennemis. Quelle nouvelle pour ta cité depuis l'année dernière? Nous réparons encore les dégâts causés par l'invasion de fourmis naines. L'une de nos princesses a remplacé notre reine. Oui, nous sommes toujours là, grâce à notre persévérance et notre travail acharné. Au sujet des fourmis noires, nous pensions qu'elles avaient été annihilées par les fourmis naines il y a longtemps et pourtant, je les ai vues moi-même et leur odeur imprègne tout notre territoire. Va et aide-nous à repousser ces envahisseurs. Ok. D'accord, j'ai pas le choix. On va d'abord aller parler à elle, du coup. Veux-tu entendre le conseil plus important que j'ai jamais entendu? Nos batailles ne sont pas gagnées parce que nous sommes plus fortes. Elles sont gagnées parce que nous sommes mieux préparés. Les bonnes phéromones, les bons alliés peuvent t'aider à gagner ta prochaine bataille. Tu parles d'alliés? Notre espèce est plus forte car nous changeons le monde autour de nous. Scarabées, pucerons, escargots, ils se battent pour nous nous soutiennent. Ok, autant d'alliés qui peuvent changer le cours d'une bataille. Tu as l'air d'en savoir beaucoup sur l'art de la guerre. Je sais tout ce qu'il y a à savoir. Une sœur plus âgée, depuis longtemps partie, m'a confié que la connaissance est un cadeau. Elle disait que pour garder un cadeau, il faut se le cacher à soi-même. Elle était intelligente, en tout cas davantage que nous. Phéromones. Odeur, parfum. Les phéromones peuvent changer la manière de penser et d'agir d'une guerrière. Certaines d'entre elles rendent agressives et d'autres plus résistantes. Elles peuvent nous faire fuir ou empoisonner nos ennemis. Les phéromones sont des outils militaires précieux, utilisez-les à bon escient. Excellent conseil. Alors, rendez-vous à votre... Ouvrez le menu d'amélioration de légion. Donc ici. Prédateur. Non, c'est ici du coup. Et là, il faut que je choisisse ces toines dorées. J'ai pas le choix. Okay. Les pouvoirs. Phéromone de peur à la place de vitesse. Alors. C'est tout? Ah, maintenant j'ai plein de gens qui parlaient. Donc toi, on vient de te parler, c'est ça? Toi, t'es 1900 aidé. Ouais. On va faire le tour. Ni Ziu ni Kian est interdite aux étrangers, je n'ai malheureusement pas pu y pénétrer. Bon, je vais pas rester longtemps, les Ni Ziu ni Kian sont tendus. On fait le tour, on parle à tout le monde et on s'arrêtera là, je pense, pour commencer les missions au prochain épisode. Tu sens cette odeur? 103, elle nous déteste. Tant de dédain et de haine envers nous, les Belokiennes. Difficile de respirer. Bon, pourquoi les fourmis noires sont de retour? Je n'ai jamais vu de fourmis noires alors que des termites j'en ai croisé. Je t'ai vu te battre à Tayukan, tu étais impressionnante.
Personne, Nizunikian n'a la moitié de tes compétences. Que se passe-t-il du côté des Nizunikian? Je vois beaucoup de guerrières partout, elles s'entraînent. Pourtant, c'est nous qui faisons tout le sale boulot, nous défendons leur territoire. Je ne comprends pas les raisons de leur appel. Comment vont nos légions? Bien, tout le monde était excité à l'idée de voyager et de rendre visite à nos sœurs. Explorer le monde est le meilleur moyen de comprendre la grandeur et la richesse. Faisons profil bas. Donc. Elle s'est parlé, là c'est parlé. On en a deux plus un là-bas. Fourmis noires sont de retour, tu le savais? Oh oui, tu es de la Fédération de Belokan même. J'imagine que tu l'aides pour tenter de réparer nos erreurs de l'année dernière. Nos erreurs. La Fédération a envoyé de l'aide trop tard, nous avons quasiment été annihilés par les fourmis naines. Ta reine a finalement compris à quel point nous sommes importantes. Après tout, Nizuniken est le bouclier de la Fédération. Ton avis sur la Fédération? Ça dépend, certains jours je n'y pense même pas, alors que d'autres, eh bien je suis trop préoccupé pour avoir le temps d'y penser. Nous, les Nizunikien, nous intéressons peu à ces affaires, nous avons besoin que de nous-mêmes. Nous sommes ici pour sauver des fourmis noires. Elles peuvent être dangereuses, bien sûr, mais ce sont des créatures lentes. Les fourmis naines, voilà de vrais adversaires. Dommage que vous ayez raté la vraie bataille l'année dernière. Bah super, je suis là pour t'aider et toi tu me... Ah bah super. Hors limite. Je ne dirai qu'une fois, pas un pas de plus, la cité est interdite aux sœurs Belokiennes. Pourquoi? Je ne décide pas des règles. Y a-t-il un moyen de changer cette règle? Non. Vous avez interdiction de visiter la cité, tout Nizunikan est au courant. Alors, oust, on peut-être peut trouver un arrangement. Problème avec les Belokiennes, c'est votre insolence. Toujours à nous manipuler. J'ai dit non, l'entrée est interdite. Je comprends. Ah. Ah, là, une sorte de... Oui, c'est les phéromones, c'est ça, c'est les histoires. Notre reine, Nizuni, que nous avait ordonné d'éviter tout conflit. Quel gâchis, mais les ordres restent les ordres et n'appellent jamais de questions. Et les Belokiennes ont entendu notre appel cette fois et elles sont en avance, tu as besoin de quelque chose? D'où viennent les fourmis noires? Nous n'avons plus de nouvelles d'elles depuis un bail, mais dès le printemps, elles sont arrivées très agressives. Ce territoire est riche, plus riche que n'importe quel autre bout de la Fédération. Pourquoi l'entrée est-elle interdite? Je ne saurais te dire, jusqu'à ce matin, j'étais avec des légions dans l'ouest. Entraînement, repérage, quelque chose se prépare. Que veux-tu dire par cette fois? L'année dernière, alors que les fourmis naines nous envahissaient, nous avons été appelés. Vous aviez été appelés. Vous étiez arrivés juste après la bataille, juste après la mort de notre reine bien-aimée. Ne faites pas semblant de vous intéresser à nous. Je connais votre opinion sur notre cité. Merci pour ton temps. Mais très bien. Alors, si on regarde ici, on a deux tactiques, deux explorations, trois stratégiques. Pour le moment, on n'en a que quatre. On commencera. Dans ce coin-ci. Mais on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge, laissez vos commentaires. Je les lirai. Et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour voir la suite de la série, mais également les autres très bonnes séries qui sont diffusées sur la chaîne. Sur ce, on se laisse. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.